Bon, Anthony, bonjour. Bonjour, Mathieu. Alors, comment s'est passé ce rallye du Vallinghopila Canal? Franchement, très bien. On s'est régalé. Très belle spéciale. Très beau rallye. Et Maxi a fait tout. Et c'est récompensé par cette seconde place au général? Franchement, oui. Avec un temps scratch de notre Jaren, on ne pensait pas. Et on était même choqués nous-mêmes. D'accord, merci. Bon, les amis, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé ce rallye du Vallinghopila Canal? Plutôt bien, non? Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, ça va, on est content. La voiture, elle a super bien marché. Nous, pas trop mal. On est là, il fait beau, c'est le top. C'est le retour de l'équipage gagnant. Ouais, il n'a pas toujours été gagnant, mais le retour très souvent. On a tué le chat noir, je crois, ça y est, c'est bon. On peut être un peu plus tranquille. Là. Et le prochain? Je sais pas. Bonne question. Surprise en fait, on le sait mais on veut pas le dire. C'est une surprise. Voilà. Ça pourra contrarier du monde. Et c'est Mathieu Louis qui aura l'exclusivité. D'accord. Merci. Ciao. Bon, Jeff, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé le rallye du Vallée? Il s'est très bien passé. C'était une remise en confiance pour faire entendre après la course du Var. On s'est régalé, on a pas eu de soucis pendant tout le rallye. La voiture s'est bien comportée. Et on est content de la troisième place. Ouais. Oh oui. Et le prochain rallye? On devrait faire le tour de Corse, normalement si tout va bien. Et l'objectif du tour? Mais encore essayer de gagner le deux roues motrices, si tout va bien. Si on arrive à se battre avec les meilleurs encore. D'accord, merci. Allez. Bon, Marc, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé ce rallye du Vallinghe? Très très bien, le résultat est là. Ça s'est très bien passé, la voiture là aussi a été encore parfaite. J'ai beaucoup progressé avec la voiture depuis portée. Et ça m'a permis de me jauger par rapport à Titi qui est quand même la référence. Et je pense qu'en faisant un peu plus de reconnaissance et en attaquant à peine plus et en prenant confiance, c'est prometteur, on pourra peut-être aller un peu plus le taquiner. Et le prochain rallye? Prochain rallye, normalement en Ardèche, au Vivarais, c'est du 28-29 août. D'accord, on verra ça alors. Merci. De rien. Bon, Fred, bonjour. Bonjour Mathieu, oui. Alors, comment s'est passé ce rallye du Vallinghe? Ben écoute, ça a été très difficile, avec un très bon pilote, de Marc Quesada. Sinon, la voiture s'est bien passée, donc le moteur a commencé à être un peu à la ramasse complète. Sinon, on a bien rigolé, on s'est bien amusé, on a fait des jolis temps, donc tout va bien. Et le prochain rallye? Le prochain rallye, je pars pour Venasque dans deux semaines, donc sur ces deux heures de max. Et après, 15 jours après, on fait la Durance. D'accord, on verra, on te suivra de près. Pas de soucis. Merci. À bientôt. Bon, bonjour. Bonjour. Alors, comment s'est passé ce rallye du Vallinghe? Franchement, impeccable. Hier, on a commencé un peu doucement. Prudent, on va dire, je connaissais pas la voiture, les pneus et tout, bon, passons, et aujourd'hui, comme Costa Serena, attaque complète, bon, même s'il n'y a pas grand chose dans le moteur, mais on s'est régalé. Et on peut voir une très grosse glissade, tu peux nous expliquer cela? On verra les caméras embarquées, mais à l'embranchement dans la première spéciale de ce matin, un passage, premier passage un peu doucement, deuxième à fond complet. Une belle glissade et qui est bien maîtrisée et on te félicite. On verra les caméras. Merci. Merci à toi. Bon Flo, bonjour. Alors comment s'est passé ce rallye du Vallinghe? Très bien, hein. On a fait ce qu'on avait à faire, on a appris, voilà. Donc tu es content de ton achat à ces deux heures de max? Très très content, on verra au prochain rallye maintenant. Et le copilote, qu'est-ce qu'il en pense? D'accord, merci. Merci à toi.